L'amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeret, près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57. Et profitez de la chaîne au maximum. Pour Dieu, étape de Dembokro, sous le haut parrainage de son excellence Monseigneur Alexis Toabi Yulo, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation le vendredi 20 mars au stade du lycée moderne de Dembokro, de 18h30 à l'aube. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, prédicateur, Monseigneur Alexis Toabi Yulo, frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, père Djikoutouan, frère Mathias Marie Esso, sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, fils et fille de Dembokro, viens fléchir genoux et parler à ton Dieu pour que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Tous à Dembokro. Plus d'infos au 47 05 48 97. Sa gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, oui, ta gloire.
s'élève un chant, une mélodie.
Sois glorifié pour tout ce que tu es, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous voulons t'élever, Saint-Esprit. Sois glorifié pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es digne d'élévation et nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Oh. Nous te levons, Seigneur. Nous te bénissons. Élève la voix et adore Dieu. Élève la voix, contemple la gloire de Dieu au milieu de nous.
Ne te lasse pas de le bénir. Ne te lasse pas de glorifier Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir tu veux nous abreuver. Car comme une biche soupire après les eaux, Seigneur, nos âmes soupirent après toi. Et nous voulons, Seigneur, être abreuvés de ta source. Cette source intarissable, Seigneur, nous voulons, oh, que tu viennes nous abreuver, Seigneur. Nous voulons nous abreuver. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais.
Toi qui nous écoutes, you listening, you following us. Élève le nom de Jésus ce soir. Lift up the name of Jesus tonight. Élève encore le nom de Jésus. Lift up his name. Sois élevé, Seigneur. Be lifted up, sois Lord. Adoré, Seigneur. Be worshipped. Sois magnifié, Seigneur. Be magnified, Lord. Et je te dis merci. And I thank you pour tout ce que tu fais. For all that you do. Louange à toi. Praise be to you. Gloire à toi. Glory be to you. Honneur à toi. Honor. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des embouteillages dans tout Abidjan, il paraît. There is traffic jam in Abidjan. Mais nous sommes obligés de commencer. But we have to start. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Dis à ton voisin, tu es un conquérant. Tell your neighbor, you are a conqueror. Et nous allons prendre de l'envol. And we are going to start. Et ce soir, nous parlerons. And tonight, we're going to speak about la traversée de la mer Rouge. The crossing of the Red Sea. Et
Je me rappelle toujours de ce film-là. And I remember that movie. Qu'on appelait les 10 commandements. Called the Ten Commandments. J'ai été toujours émerveillé quand j'étais enfant. I was always surprised when I was a child. Par la traversée de la mer. By the crossing of that sea. The Red Sea. Et je veux que ce soir nous ayons and I want us tonight en mémoire ce qui s'est passé. To keep in mind what happened. Et pour Israël, faire mémoire, c'est quelque chose de fort. To Israel, to remember is something important. Et combien de chrétiens aujourd'hui savent faire mémoire de ce how que Dieu a fait Christians dans leur vie? Today know how to remember what Christ has done in their lives. Il y a des faits fondateurs they are facts de l'État d'Israël. That are the basis of the state of Israel. Et dans les actes suprêmes, and in the supreme acts, c'est la sortie de l'Égypte. It's the exit of Egypt. La première Pâque, the first part, a été célébrée en Égypte. Has been celebrated in Egypt. Et donc pour Israël, so for Israel, l'Égypte, Egypt, et quelque chose de très important, c'est la servitude. It's something important, the slavery. Et donc, la traversée de la mer Rouge. So the crossing of the Red Sea est un événement capital pour Israël. Is an important moment for Israel. Tu dois avoir dans ta vie, tu dois recenser. You need to have in your life les hauts faits du Seigneur. What the Lord has done for you. Et pourquoi il faut recenser les hauts faits du Seigneur what dans ta you vie? Need to keep that into the memo. Dont le premier a été la croix. Jésus the first se was donne the cross. À Jesus gave himself. Quand j'ai commencé le ministère, when I started the ministry, et que les premières persécutions, les premières souffrances and venaient, the first suffering, the first persecution started, c'était très simple pour moi. It was very simple for me. Je regardais le crucifix. I have looked at the crucifix. Et je me disais, Jésus, and I told myself, Jesus, tu es mort pour moi aussi. You died for me also. Et c'était quelque chose de très important pour moi. It was something important for me. Jusqu'aujourd'hui. Up until today. Je demande aux chrétiens toujours d'avoir un crucifix. And I always ask Christians to have crucifix. Oui, sur le crucifix. On that cross. Nous avons la personne la plus merveilleuse du monde. We have a wonderful person qui a été crucifié pour toi. That has been crucified for you and I. Et c'est un haut fait de Dieu. Alors ce soir nous allons prendre so we are going to read tonight Exode chapitre 14 à partir du verset 15. Exodus 14 verse 15. Un homme qui s'appelait Moïse. He was called Moses. Qui a eu une histoire assez difficile. He had a difficult story. Je ne sais pas si vous savez tout ce que Moïse a vécu. I do not know if you know all that Moses went through. Une corbeille sur le Nil. A basket. Cette corbeille pouvait aller dans le décor. That basket could have been lost. Les animaux féroces pouvaient what manger l'enfant. Could have eaten that child. Mais quand Dieu a un but plan pour when toi, God has a plan for you, laisse-moi te dire quelque chose. Allow me to tell you something. Quand Dieu a un plan pour toi, when God has a plan for you, oh, cela ne signifie pas que tu ne vas pas passer par des difficulté. It doesn't mean that you're not going to be tried. Cela ne signifie pas que ce sera tout sera facile pour toi. It doesn't mean that all shall be easy for you. J'aime bien envie de dire c'est le contraire. I want to say it's a contrary. Mais tu sortiras toujours vainqueur. But alléluia. You will always be a winner. Et c'est ça qui est important. And that's what's important. Ce qui est important, c'est pas le commencement. It's not the beginning that's important. C'est comment ce film se termine. It's how it ends. Et donc Moïse. So Moses. A été élevé par has been la fille de Pharaon. By the daughter of Pharaon. Et quand Moïse avait he was raised up 17 et 18 ans. When she was about 18 or 17 un jeune homme accompli. So an accomplished young man. Il savait qu'il était hébreu. He knew that he was Hebrew. Né de père et de mère eux-mêmes hébreux. Born from the mother and the father Hebrew. Et donc Moïse se sentait très proche des hébreux. Moses felt so close from Hebrew people. Il les défendait. He was defending them. Un jour les hébreux l'ont dénoncé. And one day he was denounced. Il faut être très très fort dans la vie. You need to be strong in life. La Bible dit. The Bible says. C'est celui avec qui je mange qui va me trahir. The one who whom I eat is going to betray. Moïse a été trahi par ses frères. Moses was betrayed by his brothers. Ils ont crié. They shouted. Qui t'a établi juge d'Israël? Who established you judge of Israel? Qui t'a établi juge? Who established you? Tu veux nous tuer comme tu as tué
l'Égyptien. You want to kill us as you kill the Egyptian. Alors les gens ont su que c'était Moïse qui avait so tué l'Égyptien. So people knew it was Moses. Moïse a fui. So he ran away. Et ce Moïse qui va rencontrer Dieu. And Moses is going to meet God. Est un homme épuisé. He was exhausted. J'étais quelque part, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est très, très âgé qui disait, ah, si j'étais encore jeune, je serais dans votre communauté. Alors, je lui ai demandé son âge. Et je lui ai raconté l'histoire d'Abraham, qui va s'appeler ensuite Abraham. Et que dans la Bible, Dieu a travaillé avec les vieillards. Et le patriarche. Abraham, il a compris. Et c'est pourquoi la Bible dit, vos jeunes gens ont des visions, mais vos vieillards auront des songes vrais. Amen. People have true dreams. Alors Moïse, so Moses, un jour rencontre Dieu et sa vie est bouleversée. Meets God and his life is changed. Il avait dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parce que le peuple entendait le bruit des chars, le pharaon. The sounds. Alors la poussière qui se levait. So the dust was rising up. Ils ont commencé à trembler. And they started to shake, to panic. Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et fends-la. Vous savez? Je vais insister sur ce qu'on appelle les actes prophétiques. I'm going to insist on what we call the prophetic actions. Car nous sommes en train de marcher vers une grande victoire. We are going toward the great victory. Mais il n'y a pas de victoire sans des actes prophétiques. But there isn't any victory without prophetic actions. Vous savez, quand Dieu donne une solution, when God gives a solution, la solution, the solution, humainement analysé, human, est peut-être la solution la plus ridicule. It's the most ridiculous. C'est pas possible. It's not possible. Et le problème que nous avons avec Dieu, the issue that we have with God, c'est que nous sommes des êtres trop intelligents pour Dieu. Is that we are way too smart. Oui, et parfois on se dit, mais est-ce que lui-là, il sait ce que je vis? Vous voyez, il y a un bruit. There is a noise. La poussière monte. The dust rises et up. On sait que ce sont les soldats de Pharaon. And we know these are the soldiers déchaînés qui viennent attraper les Hébreux. Et Dieu le dit. And God says, mais pourquoi ce bruit? Continue. So why that noise? Que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi. J'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur chute. Et je me glorifierai aux dépens des pharaons. Vous voyez, Dieu cherche God's looking, des occasions comme ça. He's looking for occasions. Alléluia. Amen. Il cherche des occasions. He is looking for occasions. Je veux te dire que ce qui intéresse Dieu dans ta vie, what God is interested in your life, oh, bien sûr, il veut que tout aille dans ta vie. Of course, he wants everything to go well. Mais ce qui intéresse Dieu dans but ta vie, what he is interested in, c'est toi qui intéresse Dieu dans ta vie. Is yourself. Et c'est ta situation qui intéresse Dieu. It's your situation. Dans une situation où personne ne peut te secourir. When there's a situation where no one can do anything for you. Tant qu'il y a des hommes et des as femmes de ce monde capables de faire quelque chose and pour women toi, capable of doing something for you, et de temps en temps l'humilité de leur demander leur service. And sometimes the humility to ask them, il peut faire. Mais quand tu es devant une situation but when you are facing où personne ne veut t'aider, when no one où personne ne peut t'aider, and when no one can help you, commence à danser le jerk. Qui a dansé le jerk? Moi, je danse le jerk. Il n'y a plus du dun 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 dun. Ouais, donnez l'idée. J'ai dansé le jerk. So I danced it. Commence à fêter. That's body. Parce que c'est là où la main de Dieu sera because pour toi. That's what the hand of God. Une main visible. Amen. A visible hand. Parce que Dieu because God réalise exactement ce que toi tu ne peux pas faire. Realizes exactly what you cannot do. Vous savez, on est trop intelligent.
Je n'ai pas dit qu'on est très intelligent, on dit qu'on est trop intelligent. Nous analysons. C'est normal. L'intelligence est un don extraordinaire. Si vous allez quelque part où on vous dit, mettez votre intelligence en parenthèse. Je vous en supplie, mettez celui en parenthèse. Put that person into brackets. Le premier critère de discernement, c'est the bon first criteria of discernment. Mais but Dieu va au-delà. God goes above that. Dieu va au-delà. He goes beyond it. Vas-y. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée. Dieu dit va se glorifier aux dépens. He's going to glorify himself. Alors que Pharaon avait vu des grands faits de Dieu. So Pharaon saw the great things of God. Moïse, so Moses était tellement rempli de Dieu was so que face aux magiciens du Pharaon, the magician of Pharaon, Dieu faisait faire à Moïse des démonstrations de puissance. He was making Moses do demonstration of power. Moïse, Moses, quand il se plaçait devant le Pharaon, when he was standing before the Pharaon, il dit, tu ne veux pas nous laisser partir. He said, you do not want to let us tu go. Verras. You shall see. Mais Dieu dit, cette but God fois-ci, says, this time, ce qu'il a vu what he saw, n'est rien devant ce qu'il va voir. Is nothing compared to what he's going to see. Je me glorifierai aux dépens. I'm going to glorify myself. Aux dépens veut dire I'm going to glorify pendant myself. Que moi je me glorifierai, while I'm going to glorify lui se mettra myself. À pleurer. He's going to start crying. I'm going to take advantage. C'est ce que Dieu fera pour toi. That's what God is going to do for you. God is going to do for you. Donc, reste tranquille. So stay quiet. Le plus important dans la vie, the most important life, c'est de marcher à la suite du Seigneur. Is to walk after Christ. Le plus important, the most important, c'est d'être fidèle à ton Dieu. Is to be faithful to your si God. Tu es fidèle à ton if Dieu, you are faithful to your God, vous savez, la fidélité, c'est une chose difficile. The faithfulness is very difficult. Parce que la fidélité implique la constance. Because it implies consistency. Or, la constance veut dire il y a l'endurance. Consistency is also to be endurance. Être fidèle à quelqu'un, to be faithful to someone, c'est dans le, pour le meilleur et pour le pire. It's for the best and the worst. Quand ça va ou quand ça ne va pas. When it's working or not. Et c'est pourquoi l'un that's des bons noms de Jésus, the good name of Jesus, c'est fidèle. Is faithful. Jésus est fidèle. Jesus is faithful. Alléluia. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marchait derrière eux. J'aurai le temps un jour de vous parler de la mission des anges. I'll speak to you about the mission of angels one day. L'ange est une figure the biblique. Angel is a figure, human figure. Angelos, messager. A messenger. Mais l'ange but the angel est aussi un défenseur. Is also a defender. Et l'ange se and mettait the angel entre l'armée de Pharaon et Israël. The army of Pharaon in Israel. Ce que les chrétiens ne savent pas, what Christians don't c'est know, que l'ange du Seigneur campe autour de that nous the angel of God et nous arrête de tout danger. Le diable veut que tu aies peur de lui. The devil wants to be scared of him. Et l'Esprit Saint te pousse à une confiance totale en Dieu. And the Holy Spirit pushes you to trust him completely. Tu choisis quoi? What do you pick? Tu choisis quoi? What do you pick? Entre être fidèle à because Dieu, being faithful to God, à sa parole, to his words, quand on dit que nous sommes des fidèles du Christ, when we say we are servants of Christ, cela implique it implies que nous sommes loyaux. That we are loyal, parce que le fidèle, because the faithful, c'est celui qui est loyal. Is the one who is loyal. La colonne des nuées se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Amen. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre et elle illumina la nuit. Amen. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Moïse étendit la main sur Moses la mer. Moses extended his hands
Et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il a mis en sec et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer. Et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car il y avait combat avec eux. Les Égyptiens vont fuir devant toi bientôt. Oh. Qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? Ils vont dire quoi? Fuyons devant Israël, car il y avait combat avec eux contre les Égyptiens. Il y avait dit à Moïse, étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars, et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. On acclame Dieu pour sa parole. Je vous dis quelque chose. La Bible dit ceci. Et c'est une des paroles les plus fortes de la Bible. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand l'Écriture nous dit ça, quand l'Écriture nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Cela ne signifie pas que les hommes et les femmes de ce monde ne seront pas contre nous. Mais ça veut dire que si Dieu est avec nous, qui pourra nous vaincre? Amen. Qui pourra souhaiter notre malheur et l'obtenir? Si Dieu est avec toi, je ne te dis pas que tu ne passeras pas par le feu. I'm not saying that you're not going to be tried. Mais je te dis que le feu ne pourra pas te consumer. But I say the fire will not consume. Si Dieu est avec toi, je ne dis pas que tu ne passeras pas par l'eau. I'm not saying you're going to go through the water. Tu ne seras point noyé. But you'll never drown. Si Dieu est avec toi, if God is with you, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? What did God say to Moses? D'abord, Dieu dit, il y a trop de bruit. There's so much noise. Moïse lui dit, ils Moïse ont entendu le bruit des chars. They heard the noises. Dieu dit, mais il y a trop de bruit. God said, there is too much noise. Mais toi, Moïse, but you, Moses, étends la main, extend your hands sur la mer et son bateau. On the sea. Imaginez la position de Moïse. Imagine the position of Moses. Par et soeur, nous devons grandir dans la foi. We need to grow into the faith. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, there are many people, des savants religieux, believers, qui ne croient pas à ce qui s'est passé. Who do not believe to what happened. Ils arrivent à expliquer, they're trying to explain it, par des phénomènes, to phenomenon, en disant non, by saying, vous savez, j'étais à Martinique. I was in Martinique. Il y a une partie. There is a part. Et quand il y a basse marée, c'est ça, la marée basse. When the sea is lower. Et c'est comme si la mer se fend un peu. It's as if the sea was divided. Et puis vous pouvez jouer. And you can play. Mais faites attention quand le soir arrive. But be careful at night. Et l'eau couvre, mais cette eau-là, together, on peut s'arrêter et puis danser dedans. Et certaines personnes qui observent ces choses, disent, mais pourquoi this, vous pouvez croire à ces choses-là? Frères et sœurs, quand tu n'as jamais vu l'intervention de Dieu, when you have never seen the intervention tu peux of God, réfléchir comme ça.
You can think like this. Je vous donne deux témoignages ce soir. I give you two testimonies. Et qui se sont passés. That happened. En 90 ou 91. 1990 or 1991. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce témoignage. You know the testimony. Une de nos tantes qui, one of our aunts, qui entretenait les fétiches de la famille, entertaining the fetish, the family, était à Beauville. She was in Agville. Un jour, le Saint-Esprit dit, and what did the Holy Spirit says? Allez briser les forteresses. Go and break the fortresses. Toutes les fois où tu vas adorer quelque chose, anytime you go and worship something, tu te confies à une forteresse. You give yourself to a fortress. Et beaucoup de chrétiens croient, and many people believe, qu'il suffit simplement, that it's just enough, un jour au cours d'une prière, one day during the prayer, ils disent, oh Seigneur, j'ai compris, je renonce. To say, I have understood, non, that il faut briser la forteresse. We need to break the fortress. Quand vous lisez Actes chapitre 8, when you read Acts chapter 8, quand Philippe le diacre est allé prêcher en Samarie, Philip went to preach, les Samaritains qui avaient reçu l'évangile, the Samaritans received the gospel, faisaient venir leur fétiche et il faut brûler. They brought the fetish to be burnt. Beaucoup de chrétiens, many Christians, reçoivent Jésus-Christ, receive Jesus Christ, et ils n'adorent plus, they do not worship, mais anymore, ils ne vont pas faire déterrer leur fétiche pour qu'on brûle. But they do not go and take the fetish back. Alors le Seigneur, so the Lord, a dit allez briser cette forteresse. To go and break the fortress. Donc on avait une de nos sœurs qui avait ces esprits là-bas, so ces génies, had one of our sister had, ce qu'on appelle les Oria. What we call the Oria. Gloire à Dieu. Oria. Glory be to God. On est allé très tôt le matin là-bas. So we went early morning. On arrive, on dit bon, nous sommes venus prendre nos génies. And we say we came to take our geniuses. Parce qu'on est grand maintenant. Because we are older now. Je rêvais les brûler. And I was dreaming to burn them. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être brisé et brûlé. Ça, je voulais dire par ça. Broken. Je connais beaucoup de gens qui font les sciences occultes. I know many people in the dark science. Ils viennent me dire, frère, j'ai they renoncé aux sciences occultes. I have renounced. Alors je leur demande toujours, so I ask them, où sont vos documents de sciences occultes? Where are documents? Ils disent non. And they say, no, j'ai ça quelque part, I have it somewhere, rangé dans le magasin de la maison. Écoute-moi bien. In the storage. Listen carefully. Le démon ne se chasse pas de cette façon. The devil is not cast away like this. La Bible dit ceci. The Bible says, qu'on ne trouvera chez toi, we shouldn't find into your home, des objets qui ont servi au culte des esprits. That have been used to the cult of spirits. Même si ta maison, even if your home, a pour fondation du as diamant, foundation, du diamant qui appartient au démon, diamond belonging to the devil, et que tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, you receive Jesus Christ of Nazareth, il faut casser, you need to renverser ça, overthrow this, parce que Dieu ne bâtit pas, because God doesn't build, à partir des fondations démoniaques, from demonic foundations, et beaucoup disent mais and many people mais say, mais j'ai Jésus, but oh I have frère, Jesus, my brother. C'est l'Écriture qui nous dit ça. That's the scripture saying, un jour, le peuple de Dieu, the people of God one day, a expérimenté d'une manière douloureuse cette experience parole. The hard way, this. Ils avaient pris Jéricho. They took Jericho. Ils étaient dans la louange. They were praising. Ils sont allés combattre Haï. Ils sont allés combattre Haï. They went to fight Haï. Ils ont été vaincus par Haï. They have been won. Alors Josué, l'homme de Dieu, so Joshua, the man of God, il y a peu d'hommes de Dieu aujourd'hui, there are less people of God today, qui peuvent se retirer, who can, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire, who can ask, what do you mean, God? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Why do you mean? Et parfois des choses arrivent aux chrétiens, and some best thing happened to Christians. Et soit ils se disent que il y a une malédiction sur leur vie, there is a curse on the life, ou il y a quelque chose d'autre, mais ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire? What does God mean? Josué était un homme de Dieu. Joshua was a man of God. Et Dieu lui dit, and God tells him, il y a du péché dans la maison d'Israël. There is a sin into the house of Israel. Et il va prier. And he's going to pray, et on découvrira, and we are going to discover, que c'est une personne, that it is someone, qui a pris des ustensiles, who took the tools, qui servaient au culte des esprits, that were used to the cult of the spirits, dans les temples à Jéricho. In the temples in Jericho. Et comme c'était dans les
dans des pierres précieuses ou du matériel très précieux. Ils ont pris ça, il a pris ça. Et c'est à cause de lui que les vaillants guerriers d'Israël sont morts. The warriors of Israel died. Quand tu prends quelque chose qui appartient au démon, when you take something belonging to the devil, il va te réclamer ça 10 fois. He's going to claim it 10 times. Il faut le feu du Saint-Esprit pour brûler. We need the fire of the Holy Spirit to burn it out. Il faut casser les forteresses. We need to break the fortresses. Alors on va. So we go. Ils nous disent bon, allez puis revenez. Go, on va, on revient. And we go and come back. Voici du bruit, des tam-tams. We hear noises. On se rend compte qu'ils sont en train de danser leur fétiche. And we realize that they're dancing the fetish. Et le Saint-Esprit de Dieu. And the Holy Spirit of God. À Dieu, Dieu soit la gloire. To God be the glory. Il nous demande d'aller à 200 mètres. He asked us to go 200 meters. Et quand meters, nous sommes arrivés à 200 mètres, when we went there, chez une de nos grand-mères, nous avons prié. We prayed. Nous avons dit à Dieu, tu es vivant. We said to God, you are alive. Je n'ai pas dit à Dieu, montre que tu es vivant. I never said, show that you're alive. Je m'adresse à un Dieu qui est vivant. I am speaking to the God. Je lui dis, tu es vivant. I say, you are alive. Que tous ces bruits s'arrêtent. May all of these noises stop. À l'instant. At that moment, vous savez que le bruit du tam-tam résonne. You know the noise of the tam-tam. Il y a eu un calme. It was quiet. Et le Saint-Esprit nous a poussé à partir. And the Holy Spirit pushed us to go. Vous savez, vous ne pouvez pas évangéliser l'Afrique. You cannot bring the gospel into Africa sans la puissance du Saint-Esprit. Without the power of the Holy Spirit. Parce qu'ils se disent, because mais quel féticheur qui a bloqué leur tam-tam. Blocked us. Ils sortaient. So they were coming out. Dieu nous dit, avancez. God was asking us to move forward. Nous nous sommes retrouvés dans le couloir. And we went into that place, the crossroads. Nous on avance et ils reculent. When we move forward, they move backwards. J'ai dit à mon frère, je me dis, and I said to my brother, to my twin. Nul n'est prophète ce soir. No one's prophet. Imaginez-vous 60 personnes. Imagine 60 people. Assis avec des poudres, avec des habits blancs. En fait. With powder, the white dozen fetish people. Guy a prêché en 15 minutes. So he preached 15 minutes. Alors je lui ai dit, je vais prier maintenant. So I said, I'm going to pray now. Vous savez, quand vous êtes jeune, charismatique, c'est doux, hein? When you're young, charismatic, it's so sweet. Vous êtes tout flamme, tout feu. You are all in fire. Quand tu es jeune, 24 ans, c'est you vraiment... Young, 24 years old. 24, 25 ans, c'est bon, hein? 25 years old, that's good. On n'a pas la sagesse qu'on a aujourd'hui, you hein? You don't have the wisdom that you have today. Donc, imaginez-vous, frère et soeur. So imagine yourself. Dans un groupe de féticheurs, in that group of fetish people, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. I prayed the name of Jesus Christ. Avec joie. With joy. Si quelqu'un est comme ça, il reste comme ça. If someone is like this, stay like that. Ils sont restés comme ça pendant. They stay the same position. Tous bloqués. Si quelqu'un voulait se lever, il reste comme ça. They were all blocked. On est parti, on a quitté ce lieu. And we left the place. Ces génies ont fui. The geniuses left. Je dis, frères et sœurs, I say, brothers and sisters, Dieu est un Dieu puissant. God is a powerful God. Amen. Amen. Moi, je crois au surnaturel. And I believe in the supernatural. Un jour, nous étions à Suba. One day we were in Asuba. C'était le début où on était 3000 seulement, personne. At the beginning, we were just 3000. Il y a eu un soleil. There was a sun. Et les gens tombaient en syncope. And people were falling. Les médecins étaient débordés. The doctor were overthrown. Ce jour-là, j'ai dit au peuple de Dieu. And I said to the people of God. Dieu ne fait pas de démonstration. God doesn't make demonstrations. Et je ne suis pas en train de chercher des démonstrations. And I'm not looking for demonstrations. Mais là, la situation est compliquée. But the situation is complex. On ne peut pas avoir un parapluie qui peut couvrir 3000 personnes. We cannot have an umbrella for 3000 people. Je leur ai dit que, and I told them, pour vous montrer que ce que Élie a vécu est vrai, to show that what Eli went through is true, je vais demander à Dieu, I'm going to ask God, de faire venir un nuage. To make it je le dis en toute humilité, en glorifiant le Seigneur. Parce que je veux, parce que vous voyez, you see, toute la foi d'Israël all the faith of Israel est ancrée sur ce fait-là, is on that fact, sur ce passage. On that passage, même Pâques, ça veut dire passage. On that passage, et toute sa foi est là. All the faith is there. Alors, je demande au peuple de Dieu une so seule chose. I ask the people of God only one thing. Lèvons les mains ensemble. Let's lift up our hands together. Et en lèvant les mains ensemble. Let's raise our hands together. Je parlais à Dieu. And I spoke to God. Et
ce qui est intéressant, il y a des gens qui étaient là, il y a des gens qui étaient là, qui sont là. Le nuage est quitté vers la rivière. Le gros nuage est comme un parapluie au-dessus de nous. Que Dieu soit béni. Above our heads, may God be blessed. Nous sommes allés à un village qui s'appelle Busukuro. We went to a village called Busukuro. Busukuro, c'est le village de Eba. It is a village of Eba. Qui était président du conseil paroissial de Cocody Saint-Jean. The council of the parish of Saint-Jean. On devait aller à l'évangélisation. We had to go to the Les frères, quand ils sont allés en prémission, brothers went first. Ils ont vu qu'il y a une case bizarre. And they saw that there's a real... qui est au milieu du village. In the middle of the village. Et le village se développe. And that village is being developed. Personne ne peut toucher cette case. But no one there is touching. On disait that que c'est la case des sorciers. They were seeing this is the whole. Tout le monde savait. Everybody knew. Alors, j'ai demandé aux frères, so I asked the brothers, mettez le podium à 200 mètres de put the altar at 200 meters, et que nous soyons en face de cette for us to be case, facing au monde that à home, that house. Nous sommes allés, frères et sœurs, so we went, brothers and sisters, à Busukuro, at Busukuro en 93, 1993, à Dieu soit la gloire, to God be the glory, au moment de la louange, at the moment of the praise, nous avons levé les mains vers Dieu. We raise our hands to God. Et je regardais cette case en souriant. And I look at that house. Et cette case s'est effondrée. It fell. Et voici ce que Dieu peut faire. Je vous dis ces choses. And I'm telling you this. Et comme le dit l'apôtre Paul. Like the apostle Paul says. Que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes. May your faith not be based on the wisdom of men. Mais sur la puissance de Dieu. But on the power of God. La foi d'Israël est basée sur la puissance de Dieu. C'est très important. This is very important. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. But the demonstration of power, et chaque chrétien, s'il croit comme Moïse a cru, like Moses believed, tu peux fendre la mer Rouge. Alléluia. You can divide the Red Sea. Et donc Moïse, so Moses était hébreu. Was in Hebrew. Les autres aussi étaient hébreux. All the people were Hebrew too. Ils avaient pour aïeul Abraham. They had for ancestor Abraham. Mais Moïse, but Moses avait réellement la foi d'Abraham. Truly had the faith of Abraham. Quand vous lisez Jean au chapitre 8. When you read John chapter 8. Qu'est-ce que les Juifs ont dit à Jésus? What did the Jews say to Jesus? Nous avons pour père Abraham. We have for father Abraham. Il dit, ben, si vous avez pour père Abraham, if you have for father Abraham, vous saurez que je viens de Dieu. You will know that I'm coming from God. Mais votre père, c'est le démon. But your father is a devil. Ça veut dire que nous pouvons être chrétiens. It means that we non. can be Christians. Nous pouvons être baptisés. We can be baptized. Et ne pas avoir Dieu pour père. And not have God as a father. Parce que quand je dis notre père, because when I say our father, c'est une parole de confiance. It is a word of trust. C'est une manifestation. It is a manifestation émotionnelle et de mon affection. That is showing our affection. Israël n'appelait pas Dieu père. Wasn't calling God father. Mais Jésus dit, but Jesus says, que Dieu est notre père. That God is the father. Il veut dire une relation de confiance. A relationship of trust. Dans n'importe quelle situation. In any kind of situation. Récite le notre père. Say the Holy Father. Souviens-toi que Dieu est ton père. Remember he is a father. Dieu n'est pas comme ton père. He is not like a father. Mais Dieu est ton père. But he is the father. Alors si tu crois, je dis, so if you believe, c'est d'une manière émotionnelle. It is la emotion. Relation entre un père the relationship between the et son fils and the child n'est pas d'abord une relation spirituelle. It's not a spiritual relationship. Mais une relation émotionnelle. It is a relationship of emotions. Quand tu dis papa, le Saint-Esprit crie à nous, Abba Père. When you say Abba Father, une relation affective a relationship et émotionnelle. Of feelings, of love, c'est tout mon être, it's all my entire being, qui est dans l'émerveillement. That is stands. Quand je dis Dieu est mon père, when I say God is my father, Dieu est mon papa, when I say he is my dad, toi qui n'as pas connu de père, je dis Dieu est ton père. You didn't have any father, I say God is your toi dad. Qui n'as pas eu une bonne relation avec ton père, je dis you Dieu est ton père. You didn't have a good relationship with your father,
God is your dad. Il est aussi ta mère. He also the mother. Puisqu'il dit si ton père et ta mère t'abandonnent, because he says if your moi, father and your mother forsake you, I will never forsake you. Ce que Jésus est venu nous dire, c'est ça. What Jesus came to say, that's it. Et c'est pourquoi il dit donne-nous notre pain quotidien. Give us our daily bread. Parce que notre relation avec Dieu, because our relationship with God, c'est une relation vivante. Is a living relationship. Alors tu parles à Dieu. So you speak to God. Quand un enfant est dans un danger, when a child is in danger, il ne se pose pas la question si son père est capable de résoudre le problème. Question whether or not his father is capable. Il crie vers son père. He shouts to his Dieu father. Dit à Moïse, God says to Moses, laisse-les crier, ils sont désespérés. Let them shout, they're losing hope. Mais toi, Moïse, but you, Moses, tends le bâton, extend the sea en direction de la mer. Into the direction of the sea. Je veux que tu tends, oui, tends, tends comme I ça. Want you to extend. Il faut tendre un peu. I want you to extend. Et tu laisses ça pendant un moment. And you let that for a moment. C'est tout ce que Dieu a demandé à Moïse. It's all that God asked Moses. Vous savez, quand you know, le prophète Élisée, when the prophet Elijah, a dit à Naaman, said to Naaman, va te plonger sept fois dans le Jourdain, go for seven times into the Jordan, il a trouvé ça trop facile. He said it was way too easy. Alors son serviteur dit, mais si so tu avais dit de faire quelque chose de compliqué, tu as dû faire. Something complicated to do. Il a compris, il a plongé. He understood and he went. Devant une situation, in front of a situation, Dieu te donne une parole. God gives you a word. Il dit tant. Et Moïse est resté comme cela. And Moses stayed like this. C'est pendant que Moïse est resté comme ça like this, que le vent a commencé à souffler. That the wind started to blow. Parce que Moïse l'est resté pendant longtemps quand même. Because Moses stayed for a long time. Il n'a pas abaissé sa main. He never stopped. Et on retrouve ça. And we find it. Au chapitre 16, at the chapter 16, 17, 16, la première guerre d'Israël, the first war of Israel, Amalek contre Israël, Amalek against Israel. Cette fois-ci, Moïse, this time Moses, était sur la montagne, was upon the mountain, et tant que Moïse avait la main tendue, as long as he was extending his hand, le peuple avait la victoire. The people had the victory. Vous savez, avec Dieu, you know, with God, entrer dans un miracle. You need to enter into the miracle. Quand je parle avec des gens, when I speak to people, ceux qui ont goûté au miracle de Dieu, those have tasted the miracle of God, ont plus de foi que les autres. They have more faith than others. Mais malheureusement aussi, je rencontre des gens qui ont goûté but au miracle de Dieu. I meet people, et qui n'ont pas une foi solide aujourd'hui. Who don't have that strong faith today. Mais pense toujours à ce que Dieu a fait pour toi. But keep thinking about what God did for you. Si tu veux que ta foi soit intacte, if you want your faith to be the same, ne pense pas d'abord à ce que tu penses que Dieu n'a pas encore fait pour don't toi. Don't you think about what you believe God hasn't mais done for you. Pense à tout ce que tu but crois que Dieu thinking, a fait pour toi. Remember what he has done for you. Et quand tu resteras dans cette disposition, and when you're going to dwell in that position, tu verras sa gloire. You are going to see his glory. Ce qu'il a fait autrefois, il what le fait aujourd'hui. Did. Back in the days, tu ne peux pas être un conquérant you cannot be a conqueror si tu ne sais pas obéir à Dieu. If you do not know how to obey to je God, vous l'ai dit ici avant I de commencer told you before starting, que vis-à-vis d'un problème, facing issues, la solution que Dieu propose, the solution that God gives, excusez-moi, excuse me, vis-à-vis du problème, facing the problem, est une situation ridicule. Is a ridiculous. C'est une solution ridicule. Ridiculous solution. Jean chapitre 2. Job chapter 2. Au cours d'un grand mariage. During a wedding. Un très très grand mariage. Big wedding. Il n'y avait plus de vin. There was no more wine. Marie leur dit à Jésus. Mary said to Jesus. Ils n'ont pas de vin. There is no more wine. Jésus dit que c'est à toi Jesus et moi. Says, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mary says, do all that he shall ask. Et qu'est-ce que Jésus va trouver comme solution? So what will Jesus find like solution? Allez remplir ces six jars. Fill up the jars. Ces six jars d'eau. The six jars of water. Et ces six jars. And the six jars. Ces jars étaient là pour aider simplement à quelques rituels religieux. To help for the religious rituals. Donc, ça avait été utilisé. It had been used.
Jésus dit, remplissez ces jars d'eau. Jésus précise. Et portez-en au maître de la cérémonie. And carry this, the master of the ceremony. Vous savez pourquoi on n'a pas la foi? You know why we do not have the faith? Parce que quand on sollicite Dieu, because when we call for God, on veut des solutions qu'on comprend bien. We want solutions that we understand well. On veut des solutions qu'on comprend bien. We want solutions we understand well. Je viens de compétir à un concours peut-être. I just went to a challenge. Et j'ai dit, Seigneur, viens. Competition. And they say, Lord, come. Alors, on me donne le numéro du ministre. So they give me the number of the minister. Et j'appelle le ministre, me dit, OK. And I call him and say, okay. Tu es enfant de qui? Who are you? C'est who moi ici là. You? Bon, viens. And they say, come. Et pourquoi tu m'appelles? Why are you calling me? Non, parce que je vais dépasser le concours. Because okay. I want to pass the test. Ne t'inquiète pas, tu as eu. Don't you worry, you passed. Nous voulons ça de Dieu. That's what we want. Non, c'est pas comme ça marche avec that's Dieu. Not the way it works. Entre le problème between the problem et la solution que and Dieu the solution propose, that God proposes you, c'est comme le jour et la nuit. There is a gap. Ils ont besoin de vin. They are, Jésus they have leur dit, no wine. Jesus says, portez cette this, eau carry the water vers le maître de la cérémonie. To the master of the ceremony. 5000 personnes ont faim. 5,000 people are starving, sans compter les femmes et les enfants. Without counting women and children. C'est 5 pains. 5 breads. Et 2 poissons. And 2 fishes. Jésus dit, Jesus distribuez-les. Distribute. Je vais vous dire quelque chose pour finir. I'm going to say something to finish. Je priais tout à l'heure. I was praying. Et je suis revenu à Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Je parle souvent des 5 premières prophéties de la création. Et je remarquais une chose que tu vas lire. Let's read. Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Vous allez voir ce que Dieu dit. You're going to see what God says. Et je vais vous expliquer. I'm going to explain to you. Je veux que vous compreniez pour comprendre Moïse. I want you to understand to be able to understand Moses. Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et leur dit. Dieu les bénit et leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez, emplissez la terre, emplissez la terre, et soumettez-la, et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la mer, les okay. Oiseaux du ciel. C'est bon. Qu'est-ce que Dieu dit? What does God say? Est-ce que nous saisissons ce que Dieu vient de dire? Are we understanding what he means? Il n'a pas dit à l'homme. He never said to the man. Je vais te faire dominer. I'm going to make you dominate. Ok. Comprenez? Do you understand? Ou bien, je vais te rendre fécond. Oh, I'm going to make you fruitful. En français, in French, c'est une forme impérative. It is an imperative form. Donc, c'est un ordre. It is an order. C'est un commandement. It is a commandment. Dieu dit, sois fécond. God says, be fruitful. Il dit, multipliez-vous. Multiply. Il ne dit pas autre chose. He never say. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, what many people ignore, c'est que en nous, in us, nous sommes we are l'image et la ressemblance de Dieu. The resemblance of God. Dans notre ADN, in our DNA, il y a le miracle. There is a miracle. Dans notre ADN, il y a le miracle. In our DNA, there is a miracle. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? What do we do today? Seigneur, il faut faire pour moi. You need to do for me. Non, la Bible n'enseigne pas ça. The Bible doesn't teach us that. Jésus dit, Jesus says, vous direz à cette montagne, you are going to ask the mountain, ôte-toi de là, move from there, et jette-toi dans la mer. Go and throw yourself into the sea. Et il dit pas, il dit, si and vous says, croyez if you believe, au plus profond de votre cœur, que cela va arriver, that is going to happen, cela se passera comme ça. It's going to happen. Comment j'ai compris ces choses? How I understood this thing, j'ai une autre manière de prier. I have another way of praying. Vous savez, je ne fais pas de publicité.
and not making advertisements. Je ne sais pas s'il y a de la place. Et je parle aussi à ceux qui nous écoutent. If we still have places, I'm still un des séminaires les plus importants que je vais prêcher, ce sera le samedi qui vient, le samedi et dimanche. C'est vraiment c'est l'impact divin sur la question des mariés. On the question comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? C'est l'éruption du surnaturel. Dans notre ADN, vous voyez, il a déjà mis en nous. Le démon est venu, mais il n'a pas. Vous savez, malgré le péché de l'homme, cette image a été froissée, mais pas annulée. Jésus est venu nous restaurer. Jesus came to restore. Dis à ton voisin, tu as l'ADN du miracle en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre prophétise sur ta vie. You do not need someone else to prophesize in your life. Tu as besoin de prophétiser toi-même. You need to prophesize yourself. Et tout ce que je viens de vous dire, des témoignages où on voit, mais ça c'est, j'ai vu des choses encore plus grandes. Comment Dieu pourvoit aux besoins. Je dis aux chrétiens, nous nous fatiguons beaucoup. Les autres, ils criaient, ils pleuraient. Moïse, Dieu dit à Moïse, étends la main. Frappe. Mais est-ce que frères et sœurs, est-ce qu'en frappant la mer, elle peut naturellement se fendre? Non. Can the sea divide itself naturally? Et ce qui fait que les choses tardent dans ta vie, and what makes such that c'est que tu n'es pas assez enseigné sur le miracle. You are not taught well enough. Dieu a déjà mis en toi des choses. God has already set things into you. Remarquez, à chaque fois, Jésus dit, ta notice, foi t'a sauvé. Jésus ne dit pas, ma foi t'a sauvé, mais il dit, ta foi t'a sauvé. Ta confiance absolue en Dieu. Your absolute trust into dès la création de l'homme, start the creation of man, Dieu a créé une relation God created a relationship, mystérieuse mysterious one, entre l'homme et lui. Between the man and him. Il y a eu un flou dans cette relation. There was something happening to that relationship. Jésus est venu faire la connexion. Jesus came to make the connection. Il y a une relation mystérieuse entre there's une mère et son enfant. Between the mother and the child. Quand son enfant est perdu, même 40 ans après, when the child is lost, even 40 years quand elle voit son enfant, elle sait que c'est son enfant. She knows that sense. C'est ce qui existe entre Dieu et nous. That's what's between God and us. Dis à ton voisin encore. Tell your neighbor. L'ADN du miracle est en toi. The DNA of a miracle is in you. Alors tout à l'heure, so, on va prier. When we're going to pray, et l'exercice que je vais vous donner, the exercise I'm going to c'est que nous devons fendre nos mers rouges. We need to divide the red seas. Dieu pouvait dire à Moïse, croise tes bras. Said to Moses, jamais vous allez voir ces choses-là. You will never see this. Ce que nous attendons de Dieu, c'est qu'il soit un magicien. What we expect from God is for him to be a magician. Mon Dieu est au-dessus des magiciens. My God is above the magicians. Il a montré à Moïse qu'il est au-dessus des magiciens. That he is above the magicians. Moïse a commencé à bégayer en disant, Moses Dieu, started je ne sais pas parler. Say, I do not know how to speak. Dieu dit, Aaron parlera à ta place. God said, Aaron is going to speak for you. Mais quand vous lisez la Bible, but when you read the Bible, depuis quand Aaron a parlé à la place de Moïse, when did Aaron spoke c'était la peur. It was the fear. C'était la peur. It was a fear. Alors qu'est-ce que Dieu va faire à Moïse? So what will God do? Dieu va dire à Moïse, jette le bâton. Tell Moses to throw the stick. Et Moïse jette le bâton. Throw the bow. Le bâton va se transformer en quoi? And the wood. The stick is going to be transformed. C'est un acte magique. Into a snake. It's a magical action. Un acte magique. It's magic. C'est-à-dire l'acte magique. Magic. C'est l'acte où il y a une déformation the action visible. Where there's a visible change. L'acte de foi. The faith. The act of on faith. Voit dans son cœur et dans son esprit we see into the la transformation the spirit, avant qu'elle se produise. Où est la différence, non? Do you see the difference? On voit dans we son cœur et dans son esprit in our heart and spirit, la déformation qui doit se faire avant qu'elle ne se produise. Ok? Before it happens.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Pour enseigner Moïse, Moses, il va dire, prends. So to ask ça, c'est l'acte de foi. That is the faith. Et au moment où Moïse touche, and the moment Moses touches, ça devient le bois qui est là. Becomes the word. Ça, c'est l'acte de that foi. Is the act of faith. Mais combien de chrétiens ont peur de prendre? How many Christians are Seigneur, c'est serpent, c'est serpent. Lord, it is a snake. Seigneur, c'est serpent, c'est it serpent. Is a snake. Il dit, prends. He says, take it. Parce que dans l'acte de foi, because into the action of faith, on s'engage. We are getting engaged. On s'engage. We combien are de chrétiens engaged. Ne veulent pas? Vous savez, how many Christians, you know, un jour l'archevêque prêchait, one day, the l'archevêque d'Abidjan, et il a dit une parole forte. And he said something. Je ne vous dirai pas dans quel contexte. I'm not going to tell you il dit, beaucoup par manque de foi he says many people, by lack n'osent of pas faith. Prier pour les gens. Do not dare pray for people. C'est pas la théologie, c'est manque de foi. It's not theology, it's lack of faith. C'est pas autre chose. It's nothing else. Parce que tu as peur que ça ne marche pas. You are scared it doesn't work. Parce que dans l'acte de foi, je m'expose. Because into the action of faith, I'm being exposed. Je m'expose. I'm being exposed. C'est-à-dire, je dis, bah, et si le serpent me pique? I say, what if the snake bites? Quand me? Dieu dit, when God says, et on va le voir. Vers la semaine sainte, il dit à Josué et de prendre les 12 prêtres et de traverser le Jourdain. Nous étions ensemble de pluie. Il a dit de traverser, imaginez le premier prêtre qui a mis son pied dans l'eau. Mais s'il n'avait pas mis son pied dans l'eau, le Jourdain ne pouvait pas se diviser. The Jordan would never have been divided. Tu as peur de mettre ton pied. You are scared of setting your foot. Tu as peur d'attraper le serpent. You are scared of touching. Tu as peur the de snake. Mettre ton pied dans l'eau. Scared of putting your feet. Or, c'est quand ton pied touche l'eau but que le miracle se passe. Your feet touches the water, that the miracle nous disons happens. À Dieu, il faut faire tout. We ask God, do everything. Je te donne une bonne nouvelle. Mon Dieu ne fera pas tout pour toi. You a great news, God will et never pourtant, il peut tout faire. But mais il fera tout avec toi. But he's going to do que Dieu te bénisse. Chuba. Amen. Et nous disons merci au Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre, qui réjouit notre cœur et qui redonne vie à notre esprit, qui nous fortifie et nous bénissons Dieu. Alléluia. Mais l'heure est venue pour que nous puissions manifester notre foi. Parce que la foi aussi traverse aussi la poche, traverse aussi le compte, le chéquier. Alléluia. La manifestation de notre foi aussi est physique. Parce qu'on dit qu'il y a la foi, mais la foi abstraite, on ne voit pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? C'est l'acte que tu poses devant Dieu, et Dieu voit, et les hommes voient que tu as la foi. Oh, la parole de Dieu dit en Luc 6, 38, il dit « donnez » et l'on te donnera. Alléluia. Mais l'on c'est qui? C'est toi et c'est Dieu. Ceux qui aiment donner, leur main qui donne, s'ouvre et il reçoit. Mais la main qui ne donne pas est toujours fermée. Et quand c'est fermé, Dieu ne peut pas déposer. Alléluia. Alors tu vas te mettre debout. C'est un acte de foi que tu vas poser aujourd'hui, frère. Fais cette expérience ce soir. Donne à Dieu. Avec foi. Avec détermination. Avec ce que tu as de meilleur et de qualité. Divine
Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie, près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57. Et profitez de la chaîne au maximum. Pour Dieu, étape de Dembokro, sous le haut parrainage de son excellence, Monseigneur Alexis Toabiyulo, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, la communauté catholique mère du divin amour organise une grande veillée d'évangélisation le vendredi 20 mars au stade du lycée moderne de Dembokro, de 18h30 à l'aube. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, prédicateur, Monseigneur Alexis Toabiyulo, frère Jean-Emmanuel Clément Kobe, père Djikoutouan, frère Mathias Marieso, sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, fils et fille de Dembokro, viens fléchir genoux et parler à ton Dieu pour que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Tous à Dembokro. Plus d'infos au 47 05 48 97. Divine Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie, près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57. Et profitez de la chaîne au maximum. Très importante. Et je voudrais que vous notiez. Alléluia. Ce sont des informations très, 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 très importantes. Comme le père fondateur vient d'annoncer, le spécial séminaire sur l'impact divin, l'irruption du surnaturel. Retenez ça. Irruption du surnaturel. Vous connaissez le volcan? Même si vous n'avez jamais vu le volcan, vous avez vu quand même à la télévision ce que c'est qu'un volcan. C'est au niveau du volcan qu'on parle d'irruption. Mais la puissance de Dieu agit aussi comme cela. Alléluia. Et dans ce thème, Dieu va agir comme le volcan. Acclame Dieu. Et c'est pour cela que je te demande de ne pas rater le séminaire. Même s'il n'y a pas place, je dis mets-toi derrière la porte. S'il n'y a pas place, paye le ticket, mets-toi main derrière la porte. Parce que quand il y a éruption du volcan, ça prend tout. Alléluia. Alors, retiens la date. C'est le samedi 14 au dimanche 15 mars. Il y a éruption parce que nous sommes en temps de carême. Tout le monde est en train de jeûner. L'onction va se multiplier pour toi. Alléluia. Alors, enfermé, c'est 15 000. Et en ouvert, c'est 10 000 francs. Le thème, comment cela se fera-t-il? Donc peut-être que tu te poses des questions. Mais pourquoi il y a ceci? Mais pourquoi? Il y aura éruption le samedi pour toi. Alléluia. Maintenant, tu es femme. Le monde aujourd'hui doit être géré par les femmes. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que vous osez gérer le monde aujourd'hui? On est fatigué des hommes. Les hommes ont échoué. Alléluia. Il faut des femmes, mais des femmes déterminantes. Alléluia. Alors, il y a une rencontre, une retraite spécialement pour les femmes. Le samedi 21 mars et le dimanche 22 mars. Femme, lève-toi. Il faut te lever pour prendre le pouvoir. Il faut te lever pour saisir l'onction. Il faut te lever pour prendre tout ce dont tu as besoin. Lève-toi. Toi, femme,
inscris-toi. Alléluia. Inscris-toi à cette rencontre importante prêchée par le père fondateur et notre sœur Yvette Niamke. C'est 15 000 francs en fermé et 10 000 francs en ouvert. Les partenaires de Milan et Gospel, nous avons rencontre le 11 mars, donc le mercredi, après-demain, le 11 mars, à partir de 18h30 à l'espace Tsunamite. Soyez très, très nombreux. Dis à ton voisin, Kairos. Kairos. Le Kairos du temps du carême. Dis à ton voisin, c'est un Kairos du temps de carême. C'est le vendredi 27 mars, à partir de 17h30, ici même à la communauté. Le thème, le fond de mon cœur. Alléluia. Sois présent à cette grande rencontre. C'est un temps que Dieu a décidé pour toi. Nous avons notre chaîne. Vous avez souhaité qu'il y ait la chaîne Divine Amour TV. La chaîne est là. Et la communauté voudrait que toi, de chez toi, tu puisses avoir cette chaîne pour tes enfants, pour tes amis, pour ceux même qui te rendent visite. Alléluia. Quelle est la preuve que tu aimes la communauté? Tu as le tricot qu'on a écrit dessus. Dieu, mets ta bouche dans mon affaire. Ça ne suffit pas. Le tricot là, tu vas laver 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça va se déchirer. Alléluia. Mais TV là, ça est dans ta maison pour toujours. Acclame Dieu. Donc, inscris-toi et prends le décodeur et tout ce qu'il faut. Alléluia. C'est 35 000 francs seulement. Donc, après la prière, vous allez sur la bâche et vous allez rencontrer une femme généreuse. Elle s'appelle Madame Yao. Alléluia. Elle va s'occuper de vous. J'ai un frère qui est derrière moi, Genèse 2000. Il va vous donner une information importante. La situation est difficile et grave aujourd'hui parce que notre jeunesse a des difficultés. Alléluia. Il va venir vous donner une information importante pour que nous qui sommes pères, vous qui êtes mères, vous devez aussi avoir accès à cela. Nous avons les CD. Vous voyez, notre papa se met ici. Il prêche. Partout, il vend. Les gens demandent, mais oui, on te suit à la télévision. Mais on a besoin des CD. Frères et sœurs, tu as besoin des CD. Alléluia. Il y a les séminaires des intercesseurs. Je vous ai dit ici de participer au séminaire des intercesseurs. Beaucoup ont participé. Mais vous avez besoin d'écouter comme on prie. Comme on intercède pour un pays. Comme on intercède pour une situation donnée. Payez le CD. Alléluia. Il y a le séminaire des vainqueurs. Il faut que toi-même, tu sois vainqueur chez toi à la maison. Alléluia. Pour donner, avant de donner commission aux gens, il faut prier pour moi. Toi-même, tu pries. Alléluia. Il y a le séminaire sur la sorcellerie. Tu as besoin de tout cela. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus, le véritable et l'unique? Alléluia. Avant de passer cette information capitale pour laquelle je me tiens devant vous, j'aimerais dire merci à notre papa, à notre papy Jean-Emmanuel, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, et à son oreillette prophétique, notre maman. Alléluia. Et le frère a dit tout à l'heure qu'il y a urgence. Et c'est grave. Tout ce que quelqu'un dit, lui, c'est grave. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, frères et sœurs, mais il y a vraiment urgence pour cette jeunesse que nous sommes. Je suis venu ici en ce soir lire le rouleau de l'ange Gabriel pour nous en ce jour. Il m'a donné un message. Je suis venu m'adresser premièrement aux jeunes et deuxièmement à nos parents.
Alléluia. Il y a eu l'information qui avait été communiquée, mais jusque-là, il n'y a pas de jeunes encore inscrits. Dis, c'est pas normal. Vous savez, nous sommes dans une société où la société dans laquelle nous sommes nous présente un visage de la jeunesse. Lorsque nous parlons de la jeunesse, nous parlons d'échec. Lorsque nous parlons de la jeunesse, nous parlons de violence. Lorsque nous parlons de la jeunesse, nous parlons de tricherie, d'homosexualité. Et aujourd'hui, la société a défiguré la jeunesse. C'est pas cette jeunesse, c'est pas de cette jeunesse que Jésus parle. Alléluia. Jésus présente une jeunesse victorieuse. Jésus présente une jeunesse plus que vainqueur. Où le monde a présenté une jeunesse dénaturée, comprimée, supprimée de la volonté de Dieu pour elle. Alléluia. Et en ce jour, si je me tiens ici, c'est pour interpeller notre jeunesse. Pour nous dire que pendant que nous dormons, des jeunes meurent, parents. Pendant que nous dormons, des jeunes se perdent. Et aujourd'hui, nous-mêmes en tant que parents, nous ne savons pas la vie que les jeunes mènent dehors. Moi, je prends mon cas particulièrement. Pendant que j'étais adolescent, j'avais une double vie. La vie de démon dehors et la vie de ange à la maison. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ regarda le jeune homme et il aima. Mais lequel des jeunes hommes? Le jeune homme riche. Et aujourd'hui, Jésus est en train de présenter à ce jeune-là que malgré ses richesses, il avait une pauvreté en lui. Laquelle des pauvretés ce jeune-là n'avait pas Dieu? Parents, nous devons donner Dieu à nos enfants. Nous devons donner Dieu à notre jeunesse. Voilà pourquoi je me tiens ici, pour nous exhorter, afin que nous puissions, en tant que parents, convier nos enfants à ce temps prophétique qui va se tenir le 28 mars. De 8h à 13h, ici même, à l'amphithéâtre de notre belle chapelle, ou du moins notre belle maison communautaire. Et ce jour-là, nous allons prier. Nous allons élever la voix à Dieu afin qu'il puisse véritablement impacter notre jeunesse. Et ce temps, c'est en prélude du Rassemblement international de la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ça va se tenir en août. Alléluia! Parents, si tu as un jeune à la maison, je t'en supplie, quel que soit le cas difficile que ton enfant traverse, s'il passe par la cigarette, la drogue, le péché, quelle que soit la forme, je suis convaincu que le Jésus que j'annonce est capable de changer radicalement la vie de vos enfants. Alléluia. Alléluia. À toi, cher ami jeune qui m'écoute, avant que je me tienne derrière ce pupitre, j'étais dans la rue. Alléluia. J'étais dans les lieux déserts. Je partais dans les bars. Je faisais tout ce qu'un jeune du monde pouvait faire. Mais Jésus-Christ a transformé ma vie et gloire lui soit rendue. Alléluia. Et si tu veux voir sa gloire dans ta vie jeune, je t'invite à cet instant. Tu invites tes amis, tu invites tes frères. Tu verras, Christ va transformer ta vie. Et avec Christ, nous serons victorieux. Nous allons faire mentir Satan parce que la jeunesse n'est pas synonyme d'échec. Mais la jeunesse, dit Jésus, est victorieuse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame Dieu pour son Fils. Amen. Avant la prière, je vais donner quelques annonces importantes. D'abord, l'espace Tsunamite, le mercredi pour Gospel et les partenaires de Milan, les Saint-Joseph d'Arimathie. Et la famille de Nazareth. Donc de Bethanie. Amen. Je veux surtout insister sur le séminaire important. Le séminaire majeur et capital qui va se passer du 14 au 15. From the 14th to the 15th.
Je ne sais pas, il reste combien de places, mais c'est, je le fais à l'amphi, donc c'est 300 personnes au plus. But we can have only 300 people. Et ceux qui ne croient pas au miracle qui vient. Into the miracle, they should come. Ceux qui croient au miracle, qu'ils viennent aussi. Those who believe shall also come. Nous devons croire. Vous savez, we need to believe, you know, l'avenir est en train de se jouer aujourd'hui. The future is happening now. Vous savez que je l'ai dit pour mon pays, la Côte d'Ivoire. I've said it for my country, Ivory Coast. Et pour ceux qui étaient à Souban de janvier, for those who were in Asuba in January, nous leur avons dit que les nations viendront ici pour dire Dieu est fort ici. Said that the nation will come here to say God is strong. Et n'empêchez plus les gens d'être enceintes. Ils peuvent être enceintes, ils vont accoucher à l'aise. Don't you prevent people from being pregnant. L'élection va bien se passer. And things are going to happen. Parce que quand l'élection est grossesse, ils vont pas ensemble en Afrique. Mais cette fois-ci, ça va aller ensemble. Pregnancy don't go together. Oui. Mais parce qu'il faut toucher le surnaturel, il faut vous familiariser au surnaturel. We need to touch the supernatural. Marie était familiarisée au surnaturel. Mary touched the supernatural. Et c'est pourquoi elle n'a rien dit à Joseph. That's why she never said anything to Joseph. Quand elle a senti le premier jour, when she felt on the first day, parce qu'une femme, because a woman, dès les premiers instants, elle sent qu'il y a quelque chose. From the first moment, she felt that there is something. Deuxième jour, elle a senti, elle dit, second day, troisième said, jour, un mois après, a month after, deuxième mois, elle crache pot. Second month, she speaks. Elle n'a rien dit à Joseph. She didn't say anything to parce Joseph. Que Dieu sent, parce que Dieu a mis sa bouche dans son affaire. Because God spoke for her. Quand Dieu met sa bouche, when God speaks, il y a le miracle. Donc, il faudra, vous êtes privilégiés, Milan, et ceux qui nous suivent, so même si tu es au Ghana, si tu es en France, tu viens, Milan, pour que Jésus de Nazareth puisse te conduire dans une autre dimension. To guide you into another dimension. On va se tenir debout, frères et sœurs. La Bible dit ceci, the Bible says, que les Égyptiens que tu vois, Egyptians that you see, tu ne les verras plus. You will never see them anymore. Je l'ai dit que Dieu veut, il peut tout faire. I said God can do everything. Mon Dieu, il peut tout faire. My God can do everything. Il a créé la terre, le ciel sans toi. He created earth and heaven without il peut tout faire sans toi. He can do everything without mais you. Te concernant, but regarding you, il veut tout faire avec toi. He wants to do everything with you. N'aie pas peur des obstacles, des difficultés don't que tu be as. Scared of the obstacles that you have. Il n'y aura pas un moment de notre vie chrétienne there won't be a moment in our Christian life où il n'y aura aucune difficulté devant where nous. We won't have any difficulty for je ne peux pas vous mentir. I cannot lie to you. Je ne peux pas vous mentir. I cannot lie mais to je vous l'ai dit. But I've said, dès le commencement, starting the beginning, il a mis en nous l'ADN du miracle. He put in us the DNA l'ADN of du miracle, the DNA c'est le fait miracle. Que nous sommes image et ressemblance de Dieu. Fact of being image and resemblance of God. Alors Dieu veut que toi-même tu interviennes. So God wants you to intervene. Alors ce soir, so tonight, nous allons le louer. We are going to praise him. Et arrivé un moment, tu as parlé à ta mer rouge. And at the moment, he spoke to the Red Sea. Parce que la mer rouge, because the Red Sea, se dressait, was standing, et coupait la zone, and was cutting the zone, coupait le bonheur, was et cutting the happiness. La mer rouge retenait Israël dans le malheur. It was keeping Israel in the happiness. Plus rien ne doit faire obstacle à ton bonheur. Nothing should be an obstacle to your happiness. Alors loue ton Dieu, loue ton so Dieu. Praise your God. Dieu tout-puissant. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers. Les éclairs de ton terre.
Mon frère, ma soeur, commence à lever ta main comme Moïse. Raise your hands like Moses. Et parle aux circonstances de ta vie. La solution de Dieu est dans ta bouche. Parle aux circonstances de ta vie. Parle aux circonstances de ta vie. Parle aux circonstances de ta vie. Mais quand je sens en sublime misère, quelque si grand a pu penser à moi que son cher fils. Comme toi. Who is like you? Qui est comme toi? Who is like you? Personne. No one. Tu es le Dieu fort. You are the strong God. Tu es le Dieu grand. You are the great God. Et ce soir, and tonight, manifeste ta gloire. Manifest your glory. Manifeste ta gloire. Manifest your glory. Car tu as dit, because you have said, Pharaon et son armée, Pharaon and his army, verront ma gloire. Are going to see your glory. Verront ma gloire. Are going to see the glory. Seigneur, par Jésus-Christ, nous avons touché à ta gloire. We have touched your glory. Mais ce soir, dans la vie de chacun, but tonight, into the life of manifeste each, ta gloire. Manifest your glory. Non, tu tiens ta main levée maintenant. Raise your hands. La puissance de Jésus-Christ. The power of Jesus Christ. Est-ce que vous croyez au miracle? Do you believe in the miracle? Est-ce que vous croyez que les choses peuvent changer? Can you believe that things can change? Alors ce soir, vous allez l'expérimenter. So you are going to experience it. Il y a une atmosphère de miracle. There is an atmosphere of miracle. Et l'onction de miracle. And the anointing of miracle. Va toucher sur tout le monde, ceux qui nous suivent à travers les ondes. It's going to touch everyone. Et vous qui êtes là. Those following us home. Notre Père qui est dans les cieux. Our Father in heaven, que l'onction de miracle, may the anointing of miracle, l'onction qui a soufflé sur la mer rouge, the anointing that blew on the Red Sea, que cette onction souffle maintenant blow now, au milieu de nous, among us. Il y a 142 personnes. 142 people. L'onction de miracle souffle sur toi. The anointing of miracle is blowing on you. Ce soir. Tonight. Et tu sais que tout devient possible. And you know that everything becomes possible for you. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Something is happening to your heart. Il y a un feu qui descend. There is a fire. Je vais prier pour ces personnes, mais je dis. I will pray for these people and I say. Quand je dis 142, Dieu touche au-delà. 142, God touches mais je veux que ces personnes expérimentent leur miracle. I want these people to experience a miracle. Vous allez les aider, vous allez les conduire ici. Help them. Le miracle, mais c'est tout le monde qui va recevoir le miracle. Everybody will receive. Dieu est vivant. God is alive. La science saura. Signs we know. Et les hommes de ce monde sauront. And the men of this world que Dieu est vivant. That God is alive. La Bible dit qu'un jour, the Bible says one ton genou fléchira,
Every knee shall dans les cieux, sur la terre et sous la terre. In heaven, on earth, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Shall confess that Jesus Christ is Lord. Ces années qui viennent, les chrétiens vont the voir. Years that are coming, Christians ils vont voir are des choses grandes. Are going to see things. Vous allez toucher des choses. You will touch things. Vous allez toucher à la gloire de Jésus-Christ you de Nazareth. Touch the glory of Jesus Christ of Nazareth. Il y a un vent de puissance qui souffle. There is a wind of power blowing. Il y a un vent de puissance qui souffle dans there cette direction is a wind aussi. Of power blowing. Dieu est vivant. God is alive. 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 Il y a un vent qui souffle dans cette there direction. Amenez-moi cette personne ici. Dans cette direction, il y a un vent. There is a wind blowing. Dieu est puissant. God is powerful. Je dis Dieu est puissant. I say God is powerful. Sa gloire descend. His glory is falling. Vous allez recevoir. You are going to receive. Vous voulez miracle, vous allez voir miracle. The miracle you're going to see. Le vent souffle. The wind is blowing. Le vent souffle. The wind is blowing. La Bible dit le vent a soufflé toute la nuit. The Bible says the wind blew all night. Le vent souffle. The wind is blowing. Prophétise tout ce que tu veux. Prophesy all that you wish for. Prophétise tout ce que tu veux. Prophesy all that you dis wish quelque chose. For. Say something. Dis quelque chose. Say something. Dis quelque chose. Say something. Dis quelque chose. Say something. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moïse n'était pas extraordinaire. Moses wasn't extraordinary. Moïse a cru en Dieu. He believed in God. Moïse a cru en Dieu. He believed in God. Ce soir, si tu crois, tu verras sa gloire. Tonight, if you believe, you're going to see his glory. Tu es dans une compétition, vous êtes trois. You are in a competition. Dans ton travail. In your work. Et logiquement. And logically. Tu devais recevoir cette promotion. You must have received the promotion. Mais elle est passée à côté de toi. But it passed by. Tu verras la première fois de ta you're vie. You're going to see for the first time in your life. Quelque chose reculé dans le temps. Something time. Quelque chose reculé dans le temps. Something come back in time. Ça veut dire cette promotion. That promotion reviendra pour tomber sur toi. Is going to come back to fall. Et je dis maintenant. And I say now. Que Dieu t'élève. That God is le vent souffle sur ta vie. The wind is blowing on your life. Alléluia. Alléluia. Vous voyez sous cette bâche. You see under that tent. Se trouve une gloire de promotion pour chacun. There is a glory of promotion for each. Une gloire de promotion pour chacun ici. Glory of promotion. Une gloire de promotion pour glory chacun. Of promotion for each. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive the name of Jesus Christ. Il y a des miracles ici.
Il y a des miracles de tout genre ici. There are miracles here. Il y a des miracles de tout genre. There are miracles here. Il y a un miracle ici. There are miracles. Recevez, recevez, recevez. Receive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, recevez. In the name of Jesus Christ. Recevez. Receive. Recevez au nom Receive de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Parle à Dieu. Speak to God. Dis quelque chose. Say something. Dis quelque chose. Say something. Ton Dieu est fort. Your God is strong. Reçois au nom de Jésus-Christ. Receive in the name of Jesus Christ. Que chacun saisisse son miracle. May each hold his miracle. Que chacun saisisse son miracle. May each hold his miracle. Que chacun saisisse son miracle. May each hold his miracle. Ici, recevez. Receive. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Là, il y a quatre personnes qui sont There are four people here. Sous l'ombre du miracle dans leur vie. Who are under the shadow of the miracle. Maintenant même. Ce que tu attendais, tu l'obtiens. What you've been tu l'obtiens. You are obtaining tu l'obtiens au you nom are de Jésus-Christ. In the name of Jesus tu l'obtiens. You are obtaining. Aidez ce monsieur. Il vient d'obtenir quelque chose ici. Help him. He just entered to something. Non, il n'a pas venu comme ça. Ça y est, votre miracle est là. Your miracle is au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom. We praise the Lord. Nous bénissons ton Saint-Nom. We praise your name. Nous pouvons acclamer notre Dieu, frère et sœur. Le Saint-Esprit. De Moïse le conquérant et comment il a renversé Amalek. Alors je demande à tout le monde, tous ceux qui viennent, de lire déjà du chapitre 3, Exode chapitre 3 jusqu'au chapitre 17 pour que nous puissions être dans le bain. Et pour ceux qui nous nous retrouvons le mercredi, même heure, même endroit. Et les autres, nous nous trouvons samedi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Do 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 do
Dynamour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie, près du collège Saint-Viateur, au prix unique de 30.